Aujourd'hui, je vous partage une recette simple de samoussa végétarien. Vous trouverez les ingrédients en fin de vidéo. Commencez par cuire les patates à la vapeur. En même temps et après avoir découpé vos légumes, c'est-à-dire poireaux, courgettes, carottes et champignons, vous chauffez votre huile. Pour vous résumer rapidement, il y a un poireau, une demi-courgette, une petite carotte et des champignons à ajouter selon votre goût. Commencez par cuire les poireaux à feu moyen. Il est nécessaire de remuer constamment afin que cela ne brûle pas. Ajoutez par la même occasion le sel. Dès que les poireaux ont bien fondu, ajoutez tous les autres légumes, sauf les champignons. Il est important de couper ces légumes finement car cela va faciliter la cuisson. Tous vos légumes sont bien cuits, vous pouvez ajouter maintenant les champignons. Vous avez bien entendu la possibilité de les supprimer de la recette selon votre goût. Lorsque les pommes de terre sont bien cuites, égouttez-les et ajoutez-les à la préparation. Il est important lors du mélange de ne pas réduire en purée, mais bien de laisser des morceaux de patates. Désormais, vous pouvez commencer à épicer avec le gingembre en poudre, le poivre et le curry. Je vous rappelle encore une fois que tous les ingrédients se trouvent en fin de vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de réaliser les samoussas. D'autres recettes arrivent. N'hésitez pas donc à faire un petit tour du monde en cuisine avec moi. À très bientôt.